La famille royale britannique est dans la tourmente. Depuis l'annonce du Brexit en janvier 2020, la royauté fait face à de nombreuses polémiques. La fracture royale a véritablement eu lieu le 19 février dernier, lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement annoncé leur retrait de la monarchie. Cette décision a fortement chagriné la reine Elisabeth II. Ainsi, la souveraine a pris une grande décision, celle de dépouiller les parents du petit Archie de leur patronage royal. Le prince William est également bouleversé par le choix de son petit frère. Et si la colère était d'abord de rigueur, elle a vite été balayée par la tristesse. En effet, son frère lui manque. Une fois qu'il a surmonté la colère de la façon dont les choses se sont passées, il s'est retrouvé avec l'absence de son frère, a déclaré une source au Sunday Times britannique, avant d'ajouter, ils ont tout partagé sur leur vie, un bureau, une fondation, des réunions ensemble presque tous les jours et il y a eu beaucoup de plaisir en cours de route. Il lui manquera à jamais. Des amis du duc de Cambridge ont quant à eux expliqué aux médias britanniques, le prince William ressent définitivement la pression maintenant. Tout repose sur lui, son avenir semble différent à cause des choix de son frère et ce n'est pas facile. L'époux de Kate Middleton se sent donc condamné à affronter l'avenir seul, en tant qu'héritier de la couronne, sans le soutien de son petit frère. Tout repose sur lui, néanmoins, le prince William reste préoccupé par la situation. Après l'interview explosive de Meghan Markle et Harry, accordée à Oprah Winfrey, les deux frères auraient échangé par message. La journaliste et amie du couple, Gayle King, a révélé cette information au grand jour. Une source royale a alors déclaré au Daily Mirror, c'est un abus de confiance choquant. La famille craindra désormais de voir ce qu'elle dit à Harry finir à la télévision américaine. Depuis, le père des princes George et Louis, ainsi que de la princesse Charlotte, redoute le pire. William craint maintenant que tout ce qu'il va dire à son frère ne soit diffusé à la télévision américaine, a affirmé la journaliste royauté, Cathy Nicole, dans les colonnes de Vanity Fair. Le dialogue pourrait donc être rompu si d'autres messages venaient à fuiter. Article écrit en collaboration avec 6 médias.